allez, je vous raccompagne. Non, attendez. Moi, je suis super intéressée par la chambre. Oh non! Vous êtes sûre? Bah oui, pourquoi? C'est la première fois que vous la loueriez, c'est ça? Mon abruti-fils, c'est absolument ce que je dis plus seul. Soit disant que j'ai la tête qui tourne, alors ça inquiète. C'est comme ça que vous vous êtes blessé? Oui, oh, j'ai eu un petit vertige, je veux glisser. Et maintenant, mon fils a peur de me retrouver mort depuis 2 semaines, étendu au milieu du salon. La vérité, c'est que si je meurs, tout le monde s'en fout, hein? Et lui, le premier. Mais c'est pour les odeurs dans l'immeuble, le règlement intérieur. Ça fait 20 pages. C'est un résumé. Bon, on ne peut pas autant vous le dire tout de suite. Mon fils est un abruti. Bah, pourquoi vous dites ça? C'est un abruti parce qu'il vit avec une idiote. Bon, si c'est votre fils, ça peut pas être qu'un abruti. Ça l'est devenu au contact de cette gourde. Elle est prête à bouffer du foin. Elle a raté son bac 4 fois. Vous voulez que je vous aide à vous débarrasser de votre bru? Quelque chose comme ça, oui, pourquoi pas. Comment je pourrais faire ça? Ah ben non, je sais pas, alors vous tournez la tête de mon fils. Et puis quand il est bien mûr, vous lui dites de quitter ça. Et si je refuse, vous me mettez à la porte, c'est ça? Je vous mets à la porte parce que vous êtes désagréable et impertinent. Mais non, c'est pas tout! Mais si vous acceptez, c'est 3 mois de loyer gratuit. Monsieur Valérie, vous êtes enceinte? Tout à fait. Magnifique! Je pensais pas que je pouvais dégager ça. Ah si! Si, parce que vous avez une voix très douce et en même temps virile. Et moi, en tant que femme, ça me rassure. Ah bon? Puis il y a des gens que vous connaissez à peine et vous avez l'impression pourtant de les connaître depuis longtemps. Vous avez jamais vécu ça? Je me souviens pas. Enfin, moi, ça me fait ça aussi avec vous. Vous m'êtes familier. Mais il n'y a pas qu'avec vous, c'est un exemple. Oui, oui, c'est toujours le même exemple. Bah, en tout cas, il a vraiment l'air d'aimer sa femme. Oh, mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle fait des photos de place, elle appelle ça de l'art contemporain. Mais mon fils pourrait avoir 1000 fois mieux. En attendant, vous, restez distante, hein, ça va le mettre au pied du mur. Il va sûrement m'appeler, me donner rendez-vous. Ah, vous croyez? Non, mais il quittera pas sa femme sans avoir couché avec moi. Hein. Et même après, si ça se trouve. Ça lui ira très bien d'avoir une maîtresse et de rester avec Valérie. Vous n'allez pas coucher avec lui quand même? Bah, ce serait la suite logique. Ah non! Non! Moi, je suis pas d'accord! Et moi, vous croyez que je suis d'accord, peut-être? Ah non, mais alors là, ça commence à prendre une direction qui me plaît pas du tout.